soir, c'est le repas de fin d'année de la Fédération des entrepreneurs du pays salonnais. En fait, on marque le coup pour faire une pause sympa avant les fêtes de fin d'année et refaire un bilan de tout ce qui a été fait, bah, rappeler les bons moments qu'on a passés ensemble cette année et puis appeler pour les vœux de 2018 puisque c'est très bientôt et repartir sur une nouvelle année et finir l'année sur un moment convivial, c'est plutôt sympa. On propose une rencontre repas de Noël pour les adhérents de la fédération. L'idée, c'était vraiment de profiter de cette soirée pour réunir tout le monde, mettre en avant la convivialité qui existe sur toutes nos rencontres, mais qui est ce soir un petit peu plus présente. On clôture une année où on a eu à peu près 3 événements proposés par mois aux adhérents. Et ce soir, ça vient donc conclure voilà, une année de travail, une année de rencontres, une année d'échanges. Les préparatifs se sont faits ben, comme pour tout événement, avec des imprévus, des choses qui ne vont pas du tout. Avec des choses qui vont très bien aussi. Dans tous les cas, cet événement, on a apporté notre compétence. Après, c'est Émilie qui a tout fait, c'est elle qui a tout organisé également. Sans elle, vraiment, l'événement n'aurait pas été celui-ci. Convivialité, retrouver tous les gens qu'on a vus pendant cette période d'échange. On était vraiment focalisé sur le business, on peut dire ça comme ça. Et puis là, il y a un petit, on va dire entre guillemets, un petit lâcher prise, ouais, bien sûr. C'est chouchouté, on est accompagné, on est soutenu. Émilie, elle a ce dynamisme qu'elle dégage, cette joie, ce positivisme et cette facilité en fait à faire rencontrer, à faire fédérer des gens. Là, on est vraiment sur une sphère humaine, donc de proximité, d'échange, et je trouve ça. En tout cas, moi, ça me correspond. Ce qui est important, c'est qu'en en fait, on est tout seul dans nos entreprises. On est tout seul dans nos bureaux ou sur nos chantiers. Et je trouve que c'est bien de fédérer, de voir d'autres gens autour de nous. Donc, c'est sympa de se retrouver entre petits patrons, on va dire. Ça nous apporte des rencontres, ça nous apporte du réseau, bien entendu. C'est bien de discuter avec d'autres chefs d'entreprise, savoir comment ils appréhendent aussi certaines choses, certaines situations. Après, il y a des rencontres comme celle de ce soir qui se font plusieurs fois dans l'année. Et c'est vrai que c'est très agréable parce que du coup, on se voit différemment aussi avec un peu plus de détente, dans un univers aussi différent. Voilà. On essaie voilà, de mettre en avant le bien-être. Et je pense qu'aujourd'hui, si ce qu'on propose au niveau de la fédération, c'est un prolongement de la journée de travail, on ne va pas être nombreux. Et on se rend compte ben, voilà, qu'on est finalement de plus en plus nombreux parce que c'est vraiment un moment convivial, vraiment un moment de partage.